Oui, bonjour, Jacques Robert Belmont. Je suis dans la société depuis 1995. Depuis toutes ces années, j'ai pris des fonctions différentes et pour arriver au poste de directeur général depuis 1999. Donc tout de suite à la fin de mes études et de mon service militaire, puisqu'à l'époque il fallait le faire, où mon grand-père et mon père m'attendaient avec impatience. Voilà, j'ai pas eu le choix, il fallait que je rentre directement dans l'entreprise familiale. La proximité, nous c'est la proximité des clients, la proximité avec les fournisseurs. Nous avons toujours été très proches de nos fournisseurs qu'on considère plus comme des partenaires que comme des fournisseurs classiques. La meilleure preuve, c'est qu'on travaille avec certains d'entre eux depuis plus de 40 ans, voire même 60 ans. On a un réel partenariat qui nous permet de faire évoluer nos produits et leurs produits dans le bon sens. Après, la proximité avec nos clients également, nous sommes toujours très à l'écoute de ce que peuvent demander des clients, des améliorations qu'ils souhaiteraient sur tel et tel produit ou de toute manière, on essaye de satisfaire à leurs demandes, notamment au travers des commandes spéciales et tout ce qu'ils peuvent demander comme service supplémentaire. Donc oui, effectivement, la proximité, ça a du sens chez Jacques. L'accessibilité, déjà, c'est un moyen de rendre le luxe abordable physiquement et financièrement à tout le monde, c'est-à-dire que nous, on n'a jamais fait aucune barrière de qui que ce soit et de quoi que ce soit envers les clients. De plus, on essaye de proposer des produits de très très haute qualité à des prix relativement raisonnables. Écoutez, oui, on est, comme on le disait tout à l'heure, on est très proche de nos clients et très proche de nos fournisseurs. Et nos équipes également, ce qui nous permet d'avoir un côté très très humaniste dans nos relations clients, dans nos relations fournisseurs et dans nos relations avec nos équipes. Nous sommes une grande famille et on traite de toute manière les choses, les événements de cette manière pour essayer de les rendre un peu plus humaines. Et pas comme certaines grandes entreprises qui sont d'une froideur absolue et qui n'ont finalement plus aucun relief.